Bonjour, camarade. Il faut comprendre que cette situation n'est pas un problème qui concerne seulement les Haïtiens, comme le camarade avant moi l'a dit. C'est une injustice qui touche l'humanité en entier. Cet apartheid, l'esclavage, la discrimination se passent également dans d'autres pays, que ce soit sur le continent africain, en Asie et autres, à la différence près que la voix des Haïtiens est forte. L'Haïtien ne cède pas à l'injustice. Et ceci depuis son indépendance. L'Haïtien est la voix de l'humanité, et par voix, j'entends voix avec un X et voix avec un E. Les Haïtiens manifestent aujourd'hui au nom de la dignité humaine. Nous voulons une réconciliation avec nos confrères dominicains. Nous demandons au gouvernement canadien, québécois et surtout à la ville de Montréal de se prononcer une bonne fois pour toutes, d'émettre des actions concrètes sur ce désastre. Parce que s'ils demeurent neutres, c'est qu'ils sont du côté de l'oppresseur. Merci.